That is, I'm going to train, okay? Love you. Je suis venu en Amérique, je voulais être ici dans ce pays, faire du cinéma. Et j'ai demandé pour ça, à moi-même. Vous êtes fait tout seul de toute façon? C'est pas une question, il y a des gens qui m'ont aidé, tu fais rien toi-même, on fait tous ensemble. Mais vous êtes battu pour arriver jusqu'à ça. Je me suis battu, vous aviez... et quand tu te bats, vous aviez dans la tête et un quand truc tu et... parles, les gens t'écoutent. Et ceux qui t'écoutent, qui sont plus hauts que toi, te mettent plus haut qu'eux. Et c'est à toi de les mettre plus haut que toi. Et ça, c'est la vie. Vous vous rappelez la première fois où vous vous êtes dit j'ai envie de faire du cinéma? Ouais, j'étais très jeune. J'avais l'âge de 11 ans, 13 ans, 12 ans. Parce que... j'ai toujours rêvé des films, hein. J'ai toujours rêvé. Je viens de Bruxelles. Et la Belgique, à l'époque où j'étais avec mon père, c'était pas un pays tellement... Je me rendais pas compte. J'avais jamais été à Paris. Donc je me rendais pas compte vraiment. C'est un village assez sombre. Le ciel est bas, il pleut, il fait grisonnant, tu vois. Alors quand tu rentres dans une salle de cinéma et tu vois avec ton père, et t'as 13 ans, Lawrence of Arabia, Lawrence d'Arabie, Scope, et tu vois
ce désert quand il marche, ce sable qui, avec les grands ventilateurs qui se font à distance, et ça et ce sable, et ce visage, et ses yeux bleus, et ce ciel bleu, et ses chevaux qui galopent. Tu respires à 13 ans, et puis tu ressors de la salle, et c'est... Alors tu veux faire du cinéma. Tu veux t'évader, quoi. Et vous viviez de quoi en arrivant ? J'ai fait plusieurs travaux, j'ai travaillé, j'étais un masseur, j'ai fait des leçons de karaté privé, j'ai travaillé dans une usine de tapis et j'étais bouncer, portier à Woody's Wharf, c'était le restaurant de la femme de Chuck Norris. J'ai fait les limos, ça m'a beaucoup aidé les limousines. Chauffeur ? Chauffeur, vu que j'ai pu connaître Los Angeles de tous les côtés, tu vois. J'ai contacté des gens comme Chuck Norris. On a fait de l'entraînement ensemble, tout ça. On s'est entraîné pendant plusieurs mois et je l'ai accompagné sur deux ou trois tournages. Deux tournages. Sur Portée disparue, non? Ouais, aux Philippines. Bloodsport, vous étiez gamin dans Bloodsport, vous faites le grand écart quoi. Je crois que j'ai compté, vous le faites 5 fois. C'était votre marque de fabrique au début, dans votre premier film. Ouais, mais qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? J'avais pas l'accent anglais, je connaissais rien à l'acting. Comme ça, j'avais galéré pendant 5-6 ans et j'arrive à ce restaurant, le 385 North, la Cienega. Je rentre à l'intérieur et Amenarem qui sort, Golan. Le patron de la Canon. Le patron, un des patrons de la Canon. Et il sort avec 2-3 Coréens, Japonais derrière eux, derrière lui. Un deal, c'était de l'époque du FM, tu vois. Et je fais, Amenarem, Jean-Claude. Jean-Claude Van Damme, The Karate Magazine, from Milan, you know, me fit and everything. Oh, yeah, my friend. It's me, Jean-Claude. Et je commence comme Jean-Claude, je fais, wow, coupé de karaté. Et les gens derrière lui, les Japonais, ont dit, oui, les Coréens, c'était très... Et tu sais, Malarem, il m'a passé sa carte, il dit, viens me voir demain. Et je rentre dans son office, et j'ai préparé mon speech et tout, tu sais. Et je m'amène devant lui, et je le vois. Je sais pas quoi dire, tu sais, tout se bloque. Je m'assis, je me mets la rem. Je suis venu ici il y a 5-6 ans. J'ai plus un bal, comme toi. Je crois que j'ai beaucoup de talent. Je suis pas cher, je suis gratuit. C'était l'époque, c'était le départ, c'est la seule entrée, c'était le karaté, c'était ma seule chance. Et j'ai pris 2 chaises. J'ai fait un grand écart sur 2 chaises. J'ai montré les biscottos. Hey, you know, you better stop doing that stuff. You might want to have kids one of these days. Et il voit ça, il fait, relax, relax. Kevin, bring me Bloodsport. You want to be a star? Et then il m'a donné le Bloodsport sur le scénario de Bloodsport. Et j'étais, tu sais, you're gonna be a star.